Je cherche un puits d'aluminium. Exploiter un puits de plus ne serait peut-être pas du luxe. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai appuyé sur 4 au lieu d'appuyer sur 5. Le pavé numérique, c'est bien les raccourcis sur le pavé numérique, mais si on se trompe de touche, c'est un petit peu chiant. Tiens, parlant de ça, hop. Allez, 25 hop pour les deux. Voilà où est passé tout l'investissement. Les entrepôts. Alors, les moteurs, je suis de nouveau en chute libre, hein, mais en même temps, peut-être que je crée une deuxième usine de. Mais pareil, hein, le problème, c'est que si je crée une deuxième usine de moteurs, encore une fois, ça va être le l'acier qui va pas suivre. C'est compliqué, chef, c'est compliqué. Après, faut voir, hein. On peut quitter. On peut quitter la Suisse et puis partir sur une nouvelle partie, hein. Je sais pas si on peut revenir après. C'est ça la question. C'est est-ce que ce qu'on fait ici, ça va continuer de tourner en fait? Après,
Après, il y a toute cette partie-là qu'on n'a pas exploitée, toute cette partie-là. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, en fait, de l'exploiter. Est-ce éventuellement... attendez. Je posais la question sur le chat. Un orthographe intégré. On va poser la question dans le chat. Voilà, on va en profiter. Et on pose la question clairement. Voilà, savoir si c'est peut-être une bonne idée de partir sur une autre ville. Ça réaugmente. Parce que mes pénuries d'acier font que de toute façon les... D'accord, ok, les moteurs, ça s'équilibre. Je produis pas assez d'armes à feu par contre. Eh oui, l'acier est mon principal problème. L'acier est mon principal problème. Est-ce que si je crée une autre aciérie... C'est-à-dire par exemple ici. Ok, d'accord. Donc non, donc une fois qu'on change de ville, la ville actuelle est détruite. Bon, bah c'est tout, c'est bon à savoir. Ça vaut le coup de poser la question. D'accord, que quand je clique ici, j'arrive au centre. Remarque, je me dis, ce serait peut-être pas plus bête de recommencer maintenant qu'on a bien maîtrisé le jeu, qu'on sait que les bâtiments, vaut mieux les faire évoluer plutôt que d'en acheter de nouveaux.
je me dis que ce serait peut-être pas. Ce serait peut-être pas idiot de repartir sur une nouvelle ville. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Je pensais, mais non. Mes planches, par contre, ça devient. Ouais, non, mais. Alors, je dis ça devient, mais en vrai, il y a. Pas de soucis. En vrai, si je recommence sur une nouvelle ville, surtout, je vais faire beaucoup plus attention à ces graphiques-là. Je vais faire beaucoup plus attention à ces graphiques-là et surtout faire très très attention à ce que, en vrai, ils ne passent jamais en rouge. Alors, les appareils photo, tout ça. Voilà, vraiment, vraiment m'intéresser au théorique pour dire, bah oui, bah, je... Mais bon. Disons que j'envisage de changer de ville. Après, autre chose qui se pose comme question. Avec 78, qu'est-ce que je peux avoir comme amélioration? Je peux avoir un constructeur supplémentaire, ce qui me permet de construire des bâtiments plus vite. Mais bon, ça, à la limite, voilà. La vitesse du constructeur, ok. Le temps hors ligne, le temps de gain hors ligne, ça c'est super intéressant et ça coûte 50. Non, en vrai, faut que j'atteigne les 100. Si j'atteins les 100, je peux avoir le multiplicateur de production. Et ça, c'est beaucoup mieux. Je peux potentiellement. Si je monte jusqu'à 200, je peux avoir le multiplicateur de capacité de vente automatique. 100 encore, ça va. Je veux dire, on a atteint les 6 sans grosses, grosses difficultés. Si j'économisais, on pourrait même aller plus loin. Ça encore, je dirais, on peut s'en sortir. Bon, j'upgrade juste pour voilà, pour quand on en a besoin. Quand on en a besoin, j'active, voilà. Que je voulais, c'est ça. Ah, mais zut, tu vas arrêter de sauter comme ça. Parce que la dynamite, visiblement, ça galère.
C'est-à-dire que ça galère un petit peu moins là. Parce que je suis quand même à 5 millions d'entrées par seconde, hein. Ça, c'est pas dégueulasse, hein. Nos rentrées d'argent sont pas dégueu. Oh! Ça vient d'être. Je viens d'avoir la. Ouais, on vient d'avoir la réinitialisation. Donc, ce qui signifie. Voilà, hein, les guitares, la dynamite, ça vaut plus le coup de l'exporter. L'artillerie, ça vaut le coup. Les livres, ça vaut le coup maintenant. Donc, on reprend. Il me faut exporter des livres. Donc, j'améliore, j'active. Tac, tac, tac. Des moteurs à réaction toujours. Des chars de combat, des voitures. Ok. L'artillerie. Ok. Les guitares, je peux les couper. En vrai. Ça vaut la peine de couper la mode. Parce qu'en vrai, la mode, ça s'est vendu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, la mode s'est vendue. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, on va refaire stratégie. Stratégie, stratégie, c'est-à-dire chaussures, plastique. Tout de suite, on rachète. Chaussures, je sais qu'on peut monter jusqu'à 2K. Donc les chaussures déjà, on va faire une razzia de chaussures. Bon, on va monter jusqu'à 1K. On va monter jusqu'à 1K. Tac, 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 chaussures. Voilà. Ok. Ensuite, il y a le plastique, il me semble. Le plastique, c'est fantastique. C'est ma blague, mais mine de rien, elle est mnémotechnique. Je sais que... Ouais, elle est... Si, ça peut... Ça peut rapporter un peu quoi. Hop. Donc le plastique jusqu'à 329. Jusqu'à 200. Ok. On va compléter les quelques niveaux qu'on a. Ouais, déjà il y a 9 billions qui part là. Hop, il y a 4 billions qui part là. Là encore ça va. Voilà, je complète les niveaux qui étaient plutôt incomplets. J'avais dit il y avait quoi qui posait problème? Le charbon, hein. Le charbon, c'est mon problème. Donc on va améliorer. Hop, hop, hop. On va améliorer ces mines là. Ces 2 billions par mine là qui sont niveau 15. Voilà, hop, déjà tout a cramé comme ça.
Comme ça, on est tranquille, j'ai envie de dire. Ça part à une vitesse, c'est dingue. Bon. Il me reste 1 billion pour faire fructifier. La mode à 8K, ça vaut pas le coup. Enfin, si je peux en vendre, mais j'en achèterai pas pour en vendre. Le silicium, à de mémoire. Hein. Le silicium. Ah oui, parce que j'avais un souci de silicium au début. Mais je crois que maintenant le problème est résolu hein, de silicium. Je vais passer. C'est bien ça, mon problème de silicium est résolu. Et j'ai parfois quelques demandes au-dessus, mais en vrai, je peux investir dans le silicium. Alors, jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à quelle hauteur? Ah bah non, 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 c'est clairement pas rentable. C'est clairement pas rentable, donc c'est non. Donc le silicium n'est pas rentable. On le saura, on le saura. Le fer, on est à 185. Est-ce que le fer éventuellement? Non, il n'y a rien qui est rentable en fer. Dynamite hein, toujours, mais là actuellement dynamite, je crois que je suis pas bien, hein, c'est ça. Apparemment, si maintenant dynamite, je suis bien. Dynamite. Disons que je suis bien, En fait, je suis pile poil à l'équilibre, quoi, en gros. En gros, on va dire que je suis pile poil à l'équilibre, hein, donc c'est pas génial non plus, quoi. Mais bon, on peut partir sur un investissement sur la dynamite. J'ai dit que c'était à 2K, hein. Ouais, non, mais cherchez pas, je vais pas faire profit. Je vais pas réussir à faire de profit là-dessus. Les vêtements, qu'est-ce que ça raconte? Les vêtements. Les vêtements, je suis à 394. Vêtements, non. Vêtements, c'est non. Le verre, c'est non. La vidéo. C'est à peine rentable. Bon, on va partir maintenant sur de la vente. Sur de la vente plus classique, j'ai envie de dire. Donc, on va se mettre là et on va regarder les stockages qu'on a le plus. En vrai, je peux vendre du gaz naturel, même si c'est pas la meilleure chose à faire. Des vêtements, vendre des vêtements, hein. Ça partirait à combien? À 300 l'unité.
Pour 5 billions, quasiment l'intégralité de mon stock pour 5 billions de vêtements. Regardez un petit peu quand même. On va regarder un petit peu quand même. Allez. Ça vaut vraiment le coup, hein. Ok. Allez, hop. Je vois que la fiche, je suis toujours dans la sauce, hein, donc je vais juste commander une tonne d'acier. Voilà. Peut éventuellement commander encore un peu. Voilà, j'ai 2 millions d'acier, c'est pour pouvoir voilà, alimenter ma production. Et puis bon, bah, ça devient rentable à arriver à un moment, quoi. Qu'est-ce qui manque là? Je suis toujours dans la sauce en charbon. Je suis toujours dans la sauce en charbon. Parce que eux, ils importent pas assez, hein. Je commence à me dire que je vais faire un entrepôt spécifique au charbon. Attends, me dis pas que lui, il manque de plastique. Bah si. Ah, ça c'est terrible, hein. Mon approvisionnement en charbon, c'est terrible. Bon, on va partir là-dessus. Est-ce qu'il y a un bâtiment duquel je peux me démettre? Je sens que je vais. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais supprimer un puits de pétrole. Celui-là, par exemple, voilà. Juste pour pouvoir. Voilà. Faire un entrepôt supplémentaire ici. Attendez, je vais juste vérifier, mais. Ouais, allez, on va le mettre là. C'est plus rentable. On va l'augmenter et lui sera dédié au charbon. Lui, il va chercher du fer, lui. Donc non. Après, le fer est aussi un souci, hein, mais... C'est quoi? C'est du charbon. Donc justement, toi, hop. Tu vas chercher le charbon qui est ici. Et toi, bah, tant que tu y es, bah, tu montes niveau 20. Donc lui, résultat, tout ce qui est charbon,
Attendez, je vais juste vérifier un hein. Charbon que je n'ai rien oublié. De toute façon, voilà, hein, j'ai les entrepôts qui permettent de centraliser. Parce que lui, là, il n'a pas de charbon, lui, hein, on est d'accord? Non, lui, c'est que du fer, lui. Lui, c'est que du fer, lui. Il n'a pas de charbon qui arrive. Il y a une mine de fer là. Il y a une mine de fer, c'est une erreur. Là, cette mine de fer là, c'est une erreur. Enlever. Apparemment, c'est l'heure d'être celle-là. Hop, ouais, ok. Donc ça, c'était une erreur. J'espère qu'il a pas stocké énormément de fer. Apparemment, ça partait quand même. Bon, bah, voilà, c'est tout. Bon. Donc lui, résultat, je peux l'alléger en lui disant que tout ce qui est carbone, eh ben, il n'aura plus à le gérer. Tout ce qui est charbon, je veux dire. Voilà. Bon, idéalement, lui, il faudra encore l'augmenter. Puis pareil, résultat, le charbon. Ouais, quoique lui, c'est bon, il va. Lui, ça va, je pense que ses flux, il arrive à gérer lui. Mais donc ça, c'était une erreur. Hein. Hop. Ah ouais, je suis vraiment dans la sauce niveau charbon en fait. Parce que j'ai même plus de stock en vrai. En vrai, j'ai même plus de stock de charbon. Je suis dans la merde. Je comprends pas, j'exploite tellement de mines. Comment ça se fait que je sois tellement dans la sauce au niveau du charbon? Enfin, je veux dire, Après, il y a lui, hein. Lui, il en consomme du charbon, hein. Mais il en consomme violent, hein. Il manque lui. Ah bah, la dynamite. Ah. Oui, mais la dynamite parce qu'il manque du charbon. Ah là 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 là. On revient toujours à la même problématique en fait. J'ai un problème d'apport en charbon.
lui c'est que du pétrole lui, donc c'est pas le souci. C'est assez dingue quand même. Là, dans 11 minutes, je suis encore à court de charbon. Je serai à sec. Wow. Attends, là, et oh, attends, lui là, il est un peu loin, lui. De toute façon, c'est bon, il a compris que voilà, mais limite, attendez. Ouais, lui, enlève. Il va passer par lui. Tout ce que je peux pour augmenter ma prod, hein. Franchement, c'est vraiment l'objectif. Augmenter la prod. On a un peu réduit l'écart, mais en vrai, ça reste un enfer. Ouais. C'est un enfer. Est-ce que je fais le fou? En vrai, fuck it.
Hop. On est parti. J'ai cliqué à côté. Bon, et là, franchement. Là, il en manque un. Pareil, qui est vachement loin, qui serait là, ça serait moins loin, mais bon. Et je peux même, si je veux, aller en. Ouais, quand même. Hop. Là, qu'est-ce qu'il me dit niveau charbon? Ah! Il y a du mieux. Il y a clairement du mieux. Allez, je t'attends quand même, je crée une nouvelle mine de charbon. Qui est un peu loin, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que cette nouvelle mine... Cette nouvelle mine semble résoudre aussi nos problèmes. Là, je pense qu'on est... Là, je pense qu'on est bien. Bon. Ok. Bon, le bois est un souci aussi. Est-ce que ici... voilà, bon... C'est bon. C'est mieux. Ça semble être mieux. Ok. Le papier. Et le papier, c'est parce que j'étais en manque de bois à l'instant, mais ça va s'équilibrer certainement. C'est pas dit. Ça n'est pas dit. Non, 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 je perds en papier. Mais bon. En même temps, là, par refaire une autre usine, je peux pas faire grand-chose. Donc, malheureusement, on va faire. Et puis le papier, ça me sert à. Pour les livres. Ok, d'accord, c'est les livres. Donc je peux couper peut-être. Parce que je ne vends plus de mode. Donc, ce qui fait que je peux couper la mode, je peux couper les vêtements. Les vêtements qui me consomment du papier. De la fibre, ouais, des voitures, mais bon.
Si, on peut le faire. C'est chaud, mais on peut y arriver. Ça me consomme de l'acier aussi. Hein. Allez, hop. Allez, il manque plus grand-chose là. Ça y est. Ok. Hop. Ok, aluminium, bois. J'ai vu que j'avais un souci avec le silicium à l'instant. Silicium, non, c'est bon. Bon, écoutez, j'ai toutes mes ressources apparemment qui sont en hausse. Donc on est plutôt pas mal. Par contre, résultat, je suis encore. J'ai de nouveau des soucis d'énergie. Hop. Ouais, il y avait ça, là, la batterie, là, que je voulais améliorer un peu. Cette batterie-là, là, pareil. Comment ça se fait? Enfin, je. Oui, mais ça à tous les coups, c'est parce que. Non, c'est pas elle qui pose problème. Vache, qu'est-ce qui consomme autant? Ah d'accord, je peux. Ah, je pouvais faire ça depuis le départ. Trier par stockage ici, trier par déficit. Par run out. Okay, d'accord. On va voir si on peut vendre du verre. Mais j'avais un truc en vente, moi. C'est parti ou c'est pas parti? Et oui, c'est parti. C'était quoi? C'était de la mode, hein, je crois. Du verre. Hein. Attendez, je vais juste vérifier d'abord le verre. Il y en a en vente, visiblement. Non, pas de la vidéo, du verre, je dis. Du verre, mais c'est hors de prix. Alors,
Je vends du verre. J'en ai 10 millions, mais je peux en vendre que 2 millions en gros. Ouais. Encore même pas, c'est théorique. Ah oui, j'ai mis un. Voilà. 2 billions, ouais, ok. Pour 1 billion, quoi. Allez, hop. On va vendre du. Donc, on vend du verre. Des planches. Vendre aussi. Alors, on va regarder ce qu'il y a en question planche. Si je le vendais, ça me rapporterait 4 billions. Ok. Et si c'est moi qui vends des planches? Ah oui, mais j'ai plus de possibilité de vendre. Ah, je les vendrais, mais sans être rentable. Après, par contre, je crois que je... Non, j'étais bon. En... Je suis bon en planche. Hein. J'augmente. Hein. Non, je chute. Ouais, bon, si on veut, quoi. Bon. Bah là je sais pas trop, je sais plus trop quoi, comment on peut avancer là parce que c'est après il nous faut ça quoi. Il nous faut des points de recherche pour revoir des points de recherche, il nous faut de la science. Et pour avoir de la science, c'est ben et on a Polytechnique qui demande des semi-conducteurs. On a le ciel social mais qui produit des livres en plus. Sinon il y a l'école aussi. Ah, il y a l'école aussi qui consomme des livres pour créer de la science. En vrai, on pourrait débloquer l'école. Se mettre là. Mais je n'ai pas de permis de construire. J'ai toujours des soucis d'énergie. J'ai toujours des soucis d'énergie. Bon, faut qu'on résolve ça avant. J'ai cette solution là. Je préférerais plutôt celle-là.
Oh. Ça a l'air d'aller mieux. Oh, la grosse chute. C'est tendu. C'est très très tendu. Faudrait 2 millions. Ah, c'est terrible. C'est absolument terrible. Qu'est-ce qui consomme autant? Putain, mais c'est dingue. Qu'est-ce qui consomme autant? Et ça, on peut pas savoir combien qui consomme quoi, quoi. Enfin, je veux dire au niveau. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? Il manque de bois, lui. Ah.